Ben, je suis content. Alors, je ne t'ai pas encore dit à Marina, mais ça, c'est l'épisode numéro 100 du vlog. 200, non? Non, 100. Et du coup, ben, c'est un moment très spécial. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, rapidement, Lingen, Marina, ce vlog a pour objectif de raconter les coulisses de mon business, mais justement, on va parler plus largement de la suite du vlog, parce que c'est le numéro 100 et je voulais faire quelque chose de spécial. Et on va faire le déballage du Amazon Alexa. Alors, je voulais dire, en fait, au début, j'avais une idée de quoi faire de cet épisode numéro 100. Et puis, je me suis dit, bah, on va faire le déballage. Et je me suis dit, mais ça va être un peu superficiel. J'aurais voulu que ce soit plus profond, ce numéro, cet épisode 100. En fait, je voulais faire un montage de mon père et tout, des vidéos de mon père. Mais je me suis dit que faire quelque chose d'aussi relaxant avec la femme que j'aime, et ben c'est aussi ça la suite du vlog. Je vais en fait parler de plus en plus de ma vie personnelle, de ma famille, parce que je sais pas si je te l'ai déjà dit à toi directement, mais même si c'est super important le business, ce sera jamais aussi important que la famille et donc de toi. Et même quelquefois je me dis, je travaillerai au McDo s'il le fallait. C'est dangereux ça. Non, mais si c'était pour le bien du couple. Oui. Et Non mais voilà. je disais dangereux pour, par rapport à ton vlog numéro 86, quelque chose comme ça. Pourquoi j'avais dit quoi? Que tu allais perdre du poids. Ah oui, bon. Et en fait, voilà, la suite du vlog, ce sera plus des choses un peu plus légères. Parce que ma vie, c'est le travail, c'est vraiment important. C'est la famille, c'est super important. Et aussi ma foi, ma relation à Dieu. Et c'est des choses que j'ai envie de partager plus librement, plus. Parce qu'en fait, c'est un tout. Quand je parle de mon business, je pense que c'est important que chaque solopreneur comprenne que le travail est juste une partie de sa vie. Et que tout, sa vie, sa santé, ses finances, tout ça, ça forme un tout et que ça marche que ensemble. Voilà, donc la suite du vlog, ce sera ça. Et t'es contente d'apparaître dans le vlog numéro 100 ou pas? Bah Alors, je te laisse ouvrir. ouvrir. Ok. Mais est-ce que tu veux lire un petit peu à quoi ça sert juste les titres? Parce que les gens, ils connaissent peut-être pas ce que c'est que Amazon Tu peux Alexa. peut-être déjà juste présenter ce que c'est, juste ce que c'est? Ouais, alors c'est une enceinte connectée mais avec un assistant vocal. Donc c'est comme Siri ou Google que vous connaissez, mais là c'est l'assistant vocal d'Amazon qui est une référence aux États-Unis. Cette enceinte, elle est sortie il y a 2-3 ans aux États-Unis avec cet assistant, alors qu'en France, c'est juste tout nouveau, quoi. Il vient de sortir aujourd'hui. En gros, c'est un outil qui est conçu autour de nos voix. On peut contrôler notre musique par la voix dans toute la maison, passer des appels main libre. Le son est riche, net et puissant. Et la reconnaissance vocale, longue portée, deuxième génération. Voilà, le reste, ça répète un peu ce que j'ai déjà dit. Ouais, et l'idée, c'est en fait de rendre notre quotidien plus facile et d'automatiser les choses avec la voix. Déjà que le portable, on peut faire énormément de choses, mais là, l'idée, c'est pendant qu'on fait nos lacets, dire quelle est la météo du jour, quel est le trafic du jour. Donc, c'est vraiment gagner encore quelques secondes. Et ce que tu me disais, c'est qu'on peut régler comme un petit journal ou Un flash un flash quotidien, ouais. quotidien où on décide ce qu'on veut dedans. Il peut nous dire la météo, Ouais. je sais pas, la nuit du jour, quoi d'autre? Et en fait, bah, par exemple, ouais, le taux de pollution, Ah oui, c'est ça, ouais. l'actu sport de la semaine. Et en fait, il y a des skills. Il y a des entreprises qui peuvent soumettre des compétences, des skills, comme ici, là, il y a toute une liste. Donc, par exemple, le matin, on peut dire, lance mon flash quotidien et il commande une pizza, tu vois. C'est pas ça, mais il va allumer telle lampe ici. Il va mettre une chanson d'énergie et tout. Et plein d'entreprises peuvent ajouter leurs skills. Et soi-même, on peut en faire aussi si on veut s'amuser. Et donc le matin, on lui dit, lance mon flash quotidien. Et puis, il va faire une série de 5 actions qu'on aura prédéfinies Et qu'on au peut départ. modifier aussi. Donc, on peut modifier. Ok, on ouvre. Oui. Tadam! Montre à la caméra. Alors attendez, c'est sécuritaire. Faut tirer la languette, je pense. Elle est faite pour faire. Ça se voit que tu commandes beaucoup de choses.
Eh mais c'est gris clair. On avait pris quoi? Gris chiné. Non mais c'était celui-là. Ah, parce que c'était noir ça ou blanc. Ah. Et l'autre c'était un blanc. En fait peut-être sur la photo. Il est un peu plus clair que ce que je pensais, mais c'est pas grave. C'est joli. Et c'est pas ça le plus utile surtout. Alors. Bah on va l'utiliser hein. Alors, ça pèse à peu près 1,2 kg. Il y a ça qui est fourni avec 1,2 kg. Il y a ça qui fournit une prise secteur hein, avec une petite notice. Mais vu que c'est connecté, à mon avis, ça va pas dire grand chose parce que faudra télécharger l'application. Alors, j'ai déjà téléchargé l'application. On va configurer un peu et puis on va vous montrer. Mais peut-être un cas très concret. En fait, on a une lampe là-bas, mais on va vous montrer. Et donc, ça, c'est une prise connectée qui était. Il y avait un pack en fait, donc c'était en réduction. La prise, on la branche et par exemple, on met une lampe dessus. Et je n'ai pas encore l'habitude, je regarde pas ça. Et c'est une lampe qu'on branche sur la prise. Et du coup, à Alexa, on peut lui dire allume la prise ou allume le nom qu'on aura défini et il va allumer la prise. Mais au bout de la prise, on peut tout mettre, un frigo, une machine à laver, un ventilo, on peut tout mettre. Donc c'est l'avantage d'utiliser une prise intelligente comme ça. Et donc nous, on a branché une lampe dessus. Donc on verra ça après. Le jour où tu pourras lui dire mets du linge dans la machine à laver et lance là, ce serait pas mal. Ça, ce serait vraiment pas mal. Encore mieux. Ce serait vraiment, vraiment pas mal. Ouais. Alors, au niveau matériel, c'est pas mal. Je trouve ça un peu moche le blanc sur noir, hein, comme ça. Mais tu verras pas, ce sera comme ta prise. Non, non, mais c'est vraiment. C'est surprenant quoi. Ils auraient pu tout faire en blanc, mais ça aurait fait Apple en fait. Ah ouais. Voilà. Ok, on va aller brancher ça. Ok, alors on l'a mis, on a décidé de mettre l'enceinte ici. Donc ça s'allume. Ça va, tu fais un peu de place, Marina. C'est un jeu, on dirait. Alors, ici, il y a un bouton pour couper le micro. Du coup, il ne nous entend plus, il ne marche plus. Volume, volume, et ça, c'est un truc de menu, j'imagine. Et la couleur, ça va toujours faire ça? Non. Ah. Là, je pense qu'il est en phase de configuration. Waouh! Wow. On se croit bonjour dans la planète. Installez l'application Alexa et suivez les instructions. Ok, donc j'ai installé l'application hier. Juste, je voulais vous montrer aussi niveau hardware. Donc, on est à l'arrière. Il y a une sortie son. Donc, par exemple, si on a une enceinte, on peut brancher ça dans une enceinte ou dans d'autres enceintes. D'accord. Ok, donc je vais installer l'application. Donc, l'application. C'est Alexa que vous retrouvez hein, sur n'importe quel store. Configurer un nouvel appareil. Echo. Donc il y a toute une série de Echo. Continuer. Se connecter au Wi-Fi. Assurez-vous que votre Echo est branché. Ouais. C'est trop bien. Il dit tu peux rajouter du lait à ta liste d'achat. Sérieux? Mais ça marche avec mon téléphone? Ouais, bien sûr. Ce serait cool. Ça, j'aurais besoin de faire ça tellement de fois. Alors, connectez votre iPhone à... Ok, donc je vais aller dans Wi-Fi. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que là, ça, c'est comme un routeur Wi-Fi. Il émet un signal Wi-Fi. Il faut que j'aille sur le Wi-Fi, que je me connecte pas à mon modem, au modem de chez nous, mais au Amazon... on voit pas trop là. Moi, c'est pas grave. Amazon 3JS. Connexion réussie. Terminez la configuration dans votre application Alexa. Ça, c'est juste pour la configuration. Après, tu remettras le Wi-Fi. Oui. Et moi aussi, il faut que je fasse avec le mien. Ouais. Je sais pas si on peut en mettre plusieurs, mais j'imagine que oui. J'espère. Hein. Et sinon, la liste de courses, c'est toi qui l'as et c'est toi qui vas faire les courses. Trop bien. Je vais pas. Ah, mais non, mais il commande sur Amazon en fait directement. Non. Là, il fait chose à essayer. Alexa, ajoute du lait à ma liste d'achats. Ah, sur Amazon. Ah ouais. Ah, mais c'est nul alors. Bah pas si on prend l'habitude de commander sur Amazon, ça viendra un jour. Non, c'est pas dans la démarche zéro déchet. C'est quoi démarche zéro déchet? Comme ça, on éduque un peu les gens si qui connaissent pas. Faut de réduire ses déchets et surtout le plastique.
qui est quasiment pas recyclé et qui pollue beaucoup. Voilà, donc à la maison, on essaie d'utiliser moins de plastique. Et on a un lombricomposteur. Ça, on expliquera une autre fois. Alors, comment vous voulez utiliser votre Echo ? Bluetooth, câble audio, aucun haut-parleur ? Alors, j'ai pas très bien compris ce qu'il veut. Attends. Bah, j'ai pas compris non plus, c'est parce que voilà. Donc, je vais faire passer cette étape. Présentation d'Echo. En fait, le Wi-Fi, il est pas bien. Alors, il y a une vidéo qui va m'expliquer comment ça marche. Ok, bon, on va regarder ça tranquillement. Découvrons ensemble votre Amazon Echo. Grâce à ses housses interchangeables, aux couleurs et finis variés, votre Echo s'adaptera à chaque intérieur. C'est un jour où connaissance avec votre nouvel Echo par Amazon. Waouh! Franchement, ils ont mis le paquet, hein? Ouais. Ils ont mis le paquet. Alors, il faut savoir que moi, à la base, je suis un fan d'Apple et que je suis vraiment. On voulait acheter un HomePod. Mm. Ça coûtait bien trop cher comparable à ça. Et j'y crois. Alors, à votre tour, prononcez la phrase suivante à voix haute. C'est moi qui y prononce? Bon, ok. Ah, mais comme ça, avec ton téléphone, vas-y, c'est toi. On fera avec le mien. Ah, ok. Mince, je ne l'ai pas fait, là. Alexa, joue Radiolab sur TuneIn. Radiolab sur TuneIn. Le son, tu le règles de où? Bah, tu peux lui dire aussi. Alexa, augmente le volume. Alexa, baisse le volume. Putain, parle un peu moins fort. Lingen, baisse le volume. Lingen, baisse le volume. On a des voisins tu et il est 22h. Donc, tu veux dire ça pour voir si ça marche? Alexa, arrête. J'ai imité ta voix, sinon elle l'aurait pas fait. Mais non. Ok, vas-y, demande. Alexa, quelles sont les actualités d'aujourd'hui? Voici votre flash quotidien. De France Info. France Info, l'info à 21h10. Et le son, il est bon. 30 ans après les faits, les parents de la petite martyre de la 10 maison. Alexa, arrête. On va pas casser le moral tout de suite. Terminé. Et le son, il est pas mal. Hein. Ouais. On continue. Hein. Vas-y, tu voulais dire un truc? Je sais pas, je peux demander n'importe quoi. Bah vas-y, vas-y. Ah, oui, Alexa, qui est Lingensia? Alexa, réveille-toi. Bonjour, je suis debout. Alexa, qui est Lingensia? Désolée, je ne suis pas sûre. Oh. Alexa, qui est Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, est un homme d'État français. Il est président de la République française depuis le 14 mai 1977. Alexa, arrête. Alexa, joue les trois mousquetaires. En tant que client Echo, profitez gratuitement d'Amazon Music Unlimited pendant 14 jours et accédez à plus de 50 millions de titres. Vos 14 jours gratuits commencent maintenant. Thème Les Trois Mousquetaires, Akos Remix, extrait du spectacle Les Trois Mousquetaires, Extended version, par Akos. J'ai rien compris. Et ouais, dans le nouveau vlog, on va commencer à danser. Attends, on peut en être du même côté au moins. Attends, droite, gauche, droite. Mais c'est pas un livre audio ça? Devant. Tu lui dis d'arrêter. Bah, tu peux lui dire. Alexa, arrête. Alexa, arrête. Et faut lui parler grave. Hein. Moi j'ai envie de faire un truc. Alexa, raconte-moi une blague. Quelle est la différence entre un ascenseur et une cigarette? Il n'y en a pas. Tous les deux font descendre. Ah, descendre! Ah! Lol! Eh, pas mal! J'avais pas compris. Et du coup, c'est des blagues à la française. Parce que c'est Alexa, fais-moi une autre blague. Deux hommes discutent. On a beaucoup écrit sur moi. Ah bon? Vous êtes connu? Non, peut-être oui. Peut-être oui. Alexa, j'ai pas compris la blague. On est nuls. Elle est fâchée. Alexa, tu fais la tête? Désolée, je ne sais pas.
Bon, il y a quoi d'autre comme proposition? Alors, juste, je voulais dire aussi, là, il y a 7 micros. Donc, normalement, même si tu chuchotes et que tu es loin, Ah bah, ouais. ça marche quand même. Ah mais tout à l'heure, pourtant j'ai l'impression qu'elle m'entendait pas. Alexa? Tu m'entends? Oui, j'écoute à partir du moment où je vous entends m'appeler. D'accord. Tu veux essayer d'aller là-bas au bout? Bon, on n'a pas non Et pour plus une le super volume, tu grande veux lui maison, dire mais... Alexa volume et de 1 à 10 au lieu de dire Ah, justement tout bah oui. diminue. Tu veux Ah ouais, bien je veux aller aller là-bas. là-bas et juste tester? Alexa? Joue de la musique pour faire la fête. La playlist, à vos marques, prêt. Oh non, encore Parti sur danser. Amazon Music. Moi, j'aime danser. Alexa, arrête. Alexa, arrête. Ah voilà, faut que je lui parle un peu sèchement. Comme avec toi. La vérité sort de la bouche de Marina. Moi j'ai envie de faire. Du coup, on a installé là-bas des petites lumières. Tu veux lui dire qu'il les allume? Vas-y, essaye. Sérieux? Essaye, on va voir. Alexa, allume les lampions. Mince. Alexa, allume les lampions. Mais je crois que je l'ai pas bien configuré. Ça marche pas encore. En fait, je l'ai pas bien configuré. C'est pas grave. Je le configure et est-ce que tu as d'autres choses à tester pendant que je le configure ou pas? Non. La musique, tu veux pas lui mettre? Non. Alexa, quel temps fait-il? Actuellement, à Charonne, il fait 18 degrés Celsius avec un ciel nuageux. Les prévisions météo de ce soir annoncent un temps nuageux avec une température minimale de 12 degrés. Demande pour demain. Non mais elle a dit à Charogne. C'est quoi Charogne? À Charonne. Ah, à Charonne. Alexa, quel temps fera-t-il demain à Nogent-sur-Marne? Demain à Nogent-sur-Marne-Val-de-Marne, le temps sera partiellement ensoleillé avec une température maximale de 22 degrés et une température minimale de 12 degrés. D'accord. Alexa, combien de temps je mets pour aller à Tours? Désolé, je ne sais pas. Mince. Attends. Tu penses qu'elle sait? Alexa, combien de temps je mets entre Nogent-sur-Marne et Tours en voiture? Ah, ça marche pas. Elle n'est pas reliée à Google Maps? En fait, comment ça marche? C'est que ma prise connectée est de la marque TP-Link. Et du coup, il faut ajouter une skill ou une compétence, quoi. Un skill. Donc, par exemple, j'ai dû aller dans maison connectée et ici j'ai dû ajouter la skill de l'entreprise. Par exemple, je peux ajouter la skill de France Inter, de n'importe quel, de Uber par exemple, et là j'ai dû ajouter la skill de l'entreprise qui s'appelle Tipeee-Link, de la prise intelligente, et maintenant seulement je vais pouvoir contrôler. Donc on va essayer ça tout de suite. Marina, t'essayes? Alexa, allume les lampions. Ça marche. Vas-y, réessaye. Alexa, allume les lampions. Désolée, je n'ai pas trouvé l'appareil. Alexa, allume les lampions. C'est le nom qu'on a donné. Attends, on va essayer plus simple. On va modifier le nom. Ok. D'accord. Réessaye. Vas-y. Je dis quoi du coup? La même chose que tout à l'heure. Alexa, allume les lampions. Bon, on va lui donner un nom plus simple. Et parce qu'elle comprend pas, on va dire un truc. Allume la lumière. On va juste dire ça. Allez, une dernière fois et après je m'y colle si ça marche toujours pas. Vas-y. Alexa, allume la lumière. Même le Alexa, t'as pas entendu. Alexa. Alexa, allume la lumière. D'accord. Oh. Ça a marché. Tu veux lui dire d'éteindre? Alexa, éteins la lumière. Allume la lumière.
trop bien, on la laisse. Ok, on la laisse. Ouais, elle entend, y a des trucs où elle entend pas top top. Hein. Ok, bon, on va rester là. Premières impressions, Marina. Bah, c'est top. Hein. On va voir ce qu'on va en faire et puis on fera d'autres vidéos éventuellement. Donc, c'était Alexa, le déballage de Alexa Echo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.